Bonjour à tous, dit Amundi Evian Championship, le seul majeur en Europe continentale qui se déroule chaque année au même endroit, ici sur les rives du lac Léman. On est très heureux de vous accueillir pour cette dernière journée sous le soleil, un peu d'air frais. Ça fait du bien, Sandrine, bonjour. Bonjour. Remise de vos émotions de cette troisième journée qui était très très intense en matière de jeu notamment. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini, loin de là. Voilà, on va évidemment avoir des invités, trouver évidemment le temps de recevoir celles et ceux qui ont fait l'actualité cette semaine. Je vous propose tout de suite de regarder quelques belles images, quelques jolis coups des filles qui ont fait, elles, l'actualité du score de la troisième journée. C'est parti pour ce mini-résumé. Avec Charley Hull, l'anglaise, qui a joué 66, 69 et 67 pour sa journée de samedi. 26 ans, Charley Hull, 3 victoires en Europe, une victoire sur le circuit américain, le LPGA. Elle a une expérience, son meilleur résultat ici, c'était 22e en 2018. Nelly Korda, l'américaine, qui a joué après deux très belles cartes, 64-67, un ton en dessous avec un 71 pour la journée de samedi, moins 11 après 3 tours. Trois victoires pour Nelly Korda et surtout ce majeur en 2021. C'est Yung Kim, la coréenne, très régulière, 68, 65, 68, moins 12 avant l'entame du dernier tour. La jeune fille de Séoul, joueuse de l'année sur le LPGA Tour en 2020. 12 victoires chez les professionnels. Carlota Siganda, la puissante espagnole, qui sera au total de moins 12 après 3 tours. Elle qui était numéro 1 du LET, circuit européen il y a une dizaine d'années. Et qui avait fini 10e, son meilleur résultat à Evian en 2019. Sophia Schubert, l'américaine, une nouvelle venue, moins 13 après 3 tours. La jeune fille née dans le Tennessee, 26 ans, une victoire sur le 6 mètres l'année dernière, qui est montée sur le LPGA cette année. Seong Ryu, la coréenne, moins 15 après 3 tours, redoutable, 6 victoires, dont 2 majeures. Elle a été numéro 1 mondial, Mademoiselle Ryu, la jeune femme de Séoul, qui entame sa 10e année sur le LPGA Tour. Et puis Brooke Anderson, la bouillante canadienne, 64-64. Elle avait mis déjà les pendules à l'heure. 68 pour la troisième journée, moins 17, seule en tête après 3 tours. Elle qui est passée pro à 16 ans, qui a déjà 12 victoires au compteur, dont un majeur. C'était en 2016, en quête d'une nouvelle expérience en majeur et pourquoi pas victorieuse aujourd'hui, Sandrine. Voilà. Un petit mot quand même sur les Suisses et aussi notre Française, Perrine Delacour, qui a fait une bonne semaine. Non seulement, bien sûr, elle l'a dit, elle a passé le cut, mais elle a fait un bon samedi. Elle a fait un excellent samedi. Elle a tenu son rang, on va dire. Maintenant, comme on le dit depuis le début de la semaine, la chaleur commence à peser sur les organismes. Il faut tenir vraiment jusqu'au bout. On sait que la fin à Evian, sur ce parcours accidenté et physique, donc il va falloir garder les idées claires. Et la tête fraîche. Voilà, et son sang-froid en tout cas. Une récompense importante a été attribuée hier soir à l'Hôtel Royal. Il s'agit du Prize for Better Tomorrow, le prix qui récompense l'avenir. C'est récompensé par Rolex, notre ami et partenaire, avec l'association Golf for Africa, un programme d'aide aux populations africaines. C'est une opération qui a été menée par la grande joueuse américaine qui était avec nous hier soir, ainsi que Jackie Stewart, le légendaire pilote de Formule 1. Et bien, cette grande championne américaine et qui a monté cette opération avec cette association en Afrique, c'est Betsy King. On écoute tout de suite et on va se replonger dans cette cérémonie. When I went to Africa in 2006, je suis allée en Afrique en 2006, j'ai été vraiment touchée par le niveau de pauvreté, surtout des femmes et des enfants. J'y suis retournée avec une amie et j'ai décidé de récolter de l'argent dans le milieu du Golfe pour améliorer cette situation. C'est ce que nous avons fait. Nous avons accueilli 3 événements de golf grâce à ces 28 années sur le tour. Nous avons eu tellement de soutien de la LPGA et des joueuses que nous avons étendu ces tournois à tous les États-Unis. Les projets ont pris forme et à chaque fois que je vais en Afrique, ces gens m'inspirent. Actuellement, notre activité est majoritairement en Zambie et nous avons un partenariat avec une agence appelée World Vision pour faire en sorte de rendre l'eau potable. Au bout du bout, 2 millions de personnes y auront accès. Welcome to the stage, the winner
of the prize for a better tomorrow presented by Rolex for 2022, Betsy King. Well, it's great to be back here at Evian. The last year I played here was 2004, but once it became part of the LPGA Tour, qui avait déjà joué ce tournoi en 2004 et qui n'y était pas revenu. Voilà, toujours un aussi bel endroit. Ouais, on lui rend hommage par rapport au, par rapport à l'aide qu'elle amène à tous ces gens de la part d'une autre joueuse. And to see, like I said in the video, Olsen, the impact that it has on people's lives. It was just something I wanted to be a part of. But I'll tell you, the thing that really stood out to me about Betsy is how much she cares about other people, and I think that's a huge legacy. But we're going to bring to the stage now another legend of sport who has also given a great deal back to et safety une autre légende du sport in his particular qui, field. Please welcome to the stage qui rend à la société justement ce que... que son sport lui a permis de faire, et Jackie Stewart. La course automobile a incroyablement évolué pendant mon époque. C'était de loin le sport le plus dangereux au monde. J'ai perdu 57 de mes amis avec qui je concourais. Aussi, il a fallu faire quelque chose. Ma femme, qui était ma collaboratrice, la plus proche, a été déclarée atteinte de démence après 60 ans de mariage. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. De plus en plus de gens en meurent aujourd'hui, une statistique que les gens ne connaissent pas. Alors je me suis dit qu'il fallait changer ça. We need to hand over the prize. Okay. So we're going to invite Jack and Frank and Laurent back to the stage. Voilà, Betsy King, la légende, avec une belle récompense, et l'incroyable Jackie Stewart. Je crois que c'est le pilote de Formule 1 encore en vie, avec le plus grand nombre de victoires en Grand Prix. Une légende, Jackie Stewart. Une autre légende, mesdames, messieurs, Alain Berry, le directeur de la communication d'Amundi. Alain, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Sandrine. Avez-vous passé une bonne semaine ? Extraordinaire semaine. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de passer cette semaine sur cet écrin magnifique qu'est le golf d'Evian, mais aussi le resort, je dirais, d'une manière générale, et tout l'accompagnement qui est fait auprès des joueurs, des joueuses et de l'ensemble des invités que nous avons toute la semaine. Et puis évidemment, un peu de fierté d'être, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, justement. D'être le partenaire titre du tournoi pour 5 ans. Alors justement, s'il y avait un bilan en tant que partenaire titre à tirer à la fin de ce tournoi, parce qu'on arrive déjà à la fin, quel serait-il ? Il est extrêmement positif. Il était déjà l'année dernière dans des conditions un tout petit peu plus délicates dues au Covid. Et cette année, on a une édition extraordinaire. Je pense qu'on va avoir du suspense jusqu'au bout, en plus encore aujourd'hui. Et moi, ce qui me marque, c'est... l'ambiance qu'on a sur l'ensemble du tournoi, mais pas seulement pendant les rencontres ou pendant le jeu, mais aussi en dehors, cette semaine passée ensemble avec tous les partenaires et tous les invités, et puis encore une fois dans ce lieu magnifique. Vous arrivez déjà à avoir, pardon Christian, à déjà avoir un retour de ce que voilà, de la renommée du tournoi, de... Alors on voit la différence déjà par rapport à l'année dernière, hein, puisque l'année dernière on découvrait, et je pense que pour beaucoup de joueuses, à part celles qu'on côtoyait déjà, je dirais que c'était une découverte, et aujourd'hui, dès qu'on parle à Mundi, ça résonne. On a parlé beaucoup de toutes nos activations quand on s'est vu en début de tournoi, je pense que ça joue aussi, mais clairement, et je le dis à chaque fois, sur toutes ces actions, c'est important de s'inscrire dans la durée, et je pense que chaque année, ça fera encore un tout petit peu plus de bruit
et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Alors, naming du tournoi, bien sûr, on a parlé des projets, les projets, l'avenir, les jeunes. On a expliqué en début de semaine, lors de votre première visite, tout ce qui se passait, ce qu'Amundi faisait pour aider. Mais alors là, concrètement, hein, avec des budgets, les jeunes joueuses, et cette semaine, on a vu que ces jeunes joueuses, je pense à Agathe Lenné parce que son nom me revient à l'esprit, elles n'ont pas démérité, bien au contraire. Absolument, on avait deux joueuses de l'équipe Amundi qui étaient inscrites au tournoi. Rose Zhang, donc la championne du monde numéro amateur, mondial amateur, voilà. Ouais. Et Agathe qui a été prise par notre équipe américaine puisqu'elle joue la plupart du temps aux États-Unis et on a la joie d'avoir les deux qui ont passé le cut et je pense que c'était pas si évident que ça au départ, surtout Agathe, ça s'est joué je crois sur le dernier trou, il fallait faire le birdie sur le dernier trou pour être qualifié et c'est une grande joie de les avoir vues ensemble jusqu'à ce dimanche. Bon, ça vous laisse un peu de temps Alain pour votre golf ou pas, pour penser à vous et taper la balle? De moins en moins, plus je m'occupe du golf pour Amundi et surtout moins je m'en occupe pour moi, donc c'est l'histoire du cordonnier quoi, c'est voilà, qui arrive pas à chausser, c'est terrible, ça quand va même, clairement ça. Pas dans le bon sens, bon, et heureusement que vous n'êtes pas venu à la Moody Challenge, ça a été une catastrophe. Ouais, mais il y a l'envie peut-être, l'enthousiasme, il y a l'envie et on puis va dire que c'est la chaleur. Voilà. C'est la chaleur. Merci Sandrine, merci. Merci beaucoup, merci Alain Berry, directeur de la communication d'Amundi. On va vous laisser partir, on regarde quelques belles images de ce tournoi et du site d'Evian ici au bord du lac Léman et dans un instant on a deux invités, mesdames, messieurs. On ne s'en lasse pas, elles sont magnifiques. Je parle des filles et des vues. C'est vrai qu'elles sont jolies, franchement. Et puis en plus, comme on a eu du beau temps toute la semaine, Sandrine, on a connu des éditions, vous et moi, qui étaient un peu plus vieuses, voire rock'n'roll, et tout le monde tenait de plus. C'est quand même moins. Enfin bon, c'est joli, mais moins. Alors que là, les couleurs, elles sont toutes belles. Vous avez vu comme ils s'emballent tout de suite. Ben oui, parce que moi, je trouve ça très joli. Et au contraire, il y a vraiment du plaisir à regarder tout le jeu cette semaine parmi ces meilleures joueuses du monde. On a le président et le vice-président sur le même plateau. On est très flattés. Franck Ribou, Jacques Bingère, bonjour à vous deux. Bonjour. Je sais que c'est une journée un peu tonique, c'est le dimanche, il se passe plein de choses, vous êtes très sollicités. C'est la fin. Donc, c'est la fin. On ne va pas vous garder longtemps, rassurez-vous. On voulait avec Sandrine juste faire un bilan, même si on sait que les choses se sont vues de notre côté plutôt bien passées, on n'a pas eu de soucis, pas d'arrêt de jeu, on a connu des épisodes un petit peu plus mouvementés. Là, c'était tranquille cette semaine, Franck. Oui, c'était très tranquille. Après, c'est toujours pareil. Il y a le bilan que peuvent faire les gens à l'extérieur, et puis le bilan que nous autres, nous faisons, non pas maintenant, mais plus tard, parce qu'il y a toujours des petits détails, et puis il faut être dans le détail d'ailleurs. Alors, de temps en temps, on passe un peu pour des... On ne va pas le dire, mais c'est ça qui fait qu'on... Des pointilleux des pointilleux. Je cherchais un autre mot, mais oui, j'ai c'est du pas, mal. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit ce mot-là. Et puis après, il y a le bilan sportif qui est le plus important, oui. Et qu'on peut faire tout de suite, avant même que ça finisse. Un des, si ce n'est le meilleur champ qu'on ait jamais eu, et puis à mon avis un finish qui va pas être désagréable parce que pendant que vous babassiez les scores évoluent, je pense que ces jeunes filles sont un peu fatiguées au bout de 4 jours avec le soleil, parce que tout le monde dit soleil fantastique, mais pour nous gérer la canicule c'est quasiment plus dur que de gérer la pluie tant qu'il n'y a pas d'orage et d'éclairs. Bien sûr, mais c'est vrai que ça a été une très belle édition. Oui, et moi, je voulais vous dire une chose, parce que finalement, on parle de nous, mais moi, j'ai envie de parler de vous. Vous dire que c'était aussi une très belle édition. Profitez pas. Mais vraiment, mais je vous le dis sincèrement, parce que... J'arrête pas de vous dire, vous devriez faire quelque chose d'autre que ça. Sincèrement, on a eu énormément de commentaires. Alors,
Franck le disait, on a eu beaucoup de commentaires, et ça nous fait plaisir, hein, on ne va pas le nier, d'inviter de gens qui n'étaient jamais venus, qui ont l'habitude d'aller dans les grands événements, même jusqu'à Jackie Stewart encore tout on à l'heure. On en parlait il y a quelques instants, oui. Et qui le disent très sincèrement, que cet endroit est particulier, que oui. ce tournoi est particulier. Et moi, je voulais vous dire que j'ai eu énormément de commentaires pour vous dire que vos émissions étaient très prisées, et on a même eu un peu de pression pour que ça, le temps du live augmente un peu. Jacques, merci à celles et ceux qui nous regardent. Dit, mais on a plein d'idées pour l'année prochaine. Merci en tout cas à vous qui nous avez fait l'amitié de nous regarder cette semaine. Voilà. Donc voilà, bon après, Franck l'a dit, on a eu une semaine exceptionnelle. Je crois que toutes nos populations, que ce soit les médias, et Dieu sait si c'est important pour nous, nos invités, les joueuses, on a eu beaucoup de commentaires très chouettes des joueuses, évidemment sur le parcours, mais sur l'environnement. Vous savez que c'était une de nos ambitions cette année de renforcer encore l'accueil des joueuses, oui. l'attention portée les aux joueuses. Pour les petits, et etc. Bien sûr que ça ne s'arrête jamais, parce que vous savez qu'on fait reset chaque année, mais en tout cas, c'est un joli clin d'œil à ce qu'on avait en tête et ce que Franck avait en tête quand on a démarré cette édition 2022 il y a 8 mois. Justement, le parcours, c'est toujours, moi j'ai été joueuse, et c'est toujours la crainte. Quand on voit les nouvelles à la télé, les feux, les sécheresses, les 45 degrés. Et je dois avouer que ce parcours a été incroyable. On va avoir une joueuse tout à l'heure et je pense qu'elle va nous en parler aussi. Il était beau, il était vert, ça a été prévu, ça a été réservé. On va dire qu'il y avait des réserves qui avaient été faites. Et je crois que toute l'équipe du parcours est encore à féliciter. On voulait vraiment saluer Adrien. Féliciter Adrien et ses équipes et ses équipes. Les extras des équipes, parce que c'est quand même les éléments c'est 80 jardiniers, ce n'est pas 10 jardiniers. Ouais. Et puis autre chose, c'est que c'est la chance de ce tournoi, c'est qu'il se joue tous les ans au même endroit. Donc les gens ont des repères, ils ont des coins, les joueuses aussi. Et du coup, ça fait une ambiance qui s'améliore presque naturellement. C'est comme une boule de neige. Quoi. Alors... Juste un mot sur un point, c'est un détail, hein, mais un détail de jeu. Je ne me permettrai pas, comme Sandrine, qui connaît très très bien, évidemment, les parcours. Non, mais un détail de jeu. Vous avez chaque année, évidemment, la possibilité de donner des invitations à des jeunes joueuses. Cette année, vous avez donné des invitations. Je trouve que ça a été donné, c'est un avis personnel, hein, on va peut-être me critiquer. Je trouve que vous avez donné avec discernement ces invitations, parce que les filles que vous invitez, les jeunes filles que vous avez invitées, la plupart ont passé le cut. Et la plupart ont donné du plaisir. Elles se sont pris au jeu. Pour la plupart, c'était la première fois. Des très jeunes, dont 16 ans, c'est quand même pas très vieux. Mm-hmm. Et leur avoir donné cette possibilité de jouer avec les plus grandes joueuses du monde, je pensais que ça méritait d'être dit. D'abord, ce n'est pas nouveau, puisque Pauline, Alban, etc., se sont qualifiées. Mais ce sont toutes des jeunes filles qui ont bénéficié dans leur vie de wildcard dans le passé. Ensuite... Elles passent le cut, mais c'est aussi parce que c'est pas des vrais wildcards. En fait, on donne des wildcards. C'est pas des vraies invitations ? Si, c'est des vraies invitations, mais à des gens dont on a prédéterminé quelle est la performance qu'elles devaient faire pour être invitées. Avec des critères. C'est pas une wildcard parce que le passeport, parce que donc c'est la gagnante du tournoi avant Augusta. Zhang est numéro 1 amateur, Zang, par exemple. La numéro 1 mondiale, la Rolex number 1, la gagnante du Annika. Donc c'est des jeunes femmes excessivement performantes dans le monde amateur. Donc c'est ce que j'appelle une fausse wildcard. Oui. Nous, en fait, on détermine qui doit gagner, qui va être invité en ayant gagné ça. Voilà. Toujours sur des critères sportifs. C'est important de le noter pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Toujours sportif. Comme ça, on sera toujours critiqué, mais on est un peu moins. Merci, messieurs. On les laisse partir. Ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. La semaine n'a pas eu d'effet sur eux. Regardez. Merci. Tu verras demain. Jacques Bagère, Franck Ribou, merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on aurait pu cette semaine recevoir 10, 20, 30 joueuses. Ce n'était pas l'objectif. On a décidé, encore une fois arbitrairement, vous allez peut-être nous en vouloir, mais de recevoir quelques joueuses parce que celles dont on a parlé, elles nous paraissaient mériter un focus. Non pas que les autres ne méritent pas, mais voilà, on trouvait des petits moments intéressants. Et la joueuse qui s'installe à côté de nous maintenant fait partie des joueuses que l'on regarde, que l'on observe depuis pas mal de temps.
événement et qu'on souhaitait inviter sur notre plateau. Elle a eu la gentillesse de nous dire oui, elle aurait pu partir, se reposer, elle a bien mérité. C'est Morgane Métro. Morgane, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on bonjour. Était vraiment très heureux lorsque vous nous avez répondu favorablement. Oui, ça fait plaisir, merci de me recevoir. Ouais, on a eu l'occasion de se croiser il y a peu de temps sur les LPGA Tour. On vous suit avec Sandrine, on regarde un peu ce que vous faites. Vous êtes Suissesse, hein, vous êtes de l'autre côté, je ne sais pas si on voit la caméra. Voilà, Lausanne, c'est en face. Et donc, vous êtes Suissesse, vous êtes partie donc, de ce champ de joueuses. Il y a deux Suissesses, il y a Alban et vous. C'est ça. Voilà. Juste la première question comme ça, le ressenti, fierté, plaisir, la famille, les amis, les gens qui sont venus vous voir. Vous étiez heureuse cette semaine ? Ah oui, très. Pour moi, c'est ma semaine préférée sur le Tour, tout simplement. Bon, déjà, parce que c'est tellement près de chez moi. J'ai vraiment l'occasion d'avoir la famille, les amis, qui certains ne m'avaient jamais vu jouer auparavant. Ah donc, oui, quand même. Oui, oui, exactement. Donc, c'est vraiment génial d'avoir cette opportunité-là, si près de la maison, et en plus d'avoir un tournoi aussi grand, que ce soit un majeur, avec une envergure aussi grande. C'est vrai que c'est un vrai bonus pour moi. Alors, est-ce que ça aide ? Ou est-ce que c'est justement pas facile ? Un peu des deux. Ça aide dans le sens que c'est quand même un environnement que je connais bien. Je sais que j'ai beaucoup de soutien autour de moi. Si j'ai besoin de quelque chose, j'aurai des personnes qui seront là pour m'aider. Ça met un petit peu de pression aussi parce qu'on a envie de bien faire devant ceux qu'on aime et avec qui on partage pour la vie. Pour faire plaisir. Donc, voilà, exactement. Donc c'est un petit peu des deux. Il faut savoir gérer dans les deux sens. Qu'est-ce qui change en majeur lorsqu'on s'est vu à Atlantic City, où on était sur un tournoi LPGA standard. Mm-hmm. Ici, c'est un majeur, l'un des cinq de l'année. Outre le fait que vous soyez près de chez vous avec vos amis, techniquement, dans le jeu, dans l'appréhension de la semaine, qu'est-ce qui change entre un tournoi standard LPGA et un majeur ? Théoriquement, rien ne devrait changer. Normalement, non. Maintenant, c'est vrai que c'est bien un majeur parce qu'il y a plus de points, plus d'argent, plus de renommée, plus de prestige à en gagner un. Donc, il y a une petite pression un peu rajoutée. Mais c'est une pression qu'on se met dans la tête toute seule, oui, en fait. Oui, en fait, c'est ça, plus qu'autre chose. Parce que c'est vrai que la majorité, c'est les mêmes joueuses qui sont là toutes les semaines sur le LPGA. Après, c'est vrai qu'en Europe, il y a aussi quelques filles du Tour européen qui sont là. Mais pour la grande majorité, c'est le même champ de joueuses. Donc, Et est-ce que, justement, on apprend plus d'un tournoi avec beaucoup d'enjeux ou par rapport à un tournoi normal ? Parce que justement, il y a plus de pression, il y a plus d'enjeux, il y a plus de... Est-ce qu'on apprend plus d'une grosse semaine, on va dire, comme ça ? Je ne sais pas si on apprend plus, parce qu'au final, c'est le même jeu, c'est les mêmes expériences avec d'autres filles. Après, si on se met plus de pression et qu'on arrive à bien performer sous cette pression, c'est vrai que c'est un grand bonus de savoir qu'on arrive à le faire. Et après, un bon résultat, que ce soit en tournoi régulier ou en majeur, ça amène beaucoup de toute manière. Le chèque est un peu plus gros aussi. Voilà. C'est pas faux. Si on avait une baguette magique et si on refaisait l'histoire, si on refaisait la semaine, est-ce qu'il y a un regret ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, que tu aimerais vraiment ? Le petit point noir, le petit truc qui a dérangé cette semaine, ça serait quoi ? Oh, il y a toujours des coups qu'on aimerait refaire par-ci, par-là. Elle cherche, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, il y a un trou qui m'a posé un petit peu problème cette semaine. Un bunker en particulier que j'ai fait deux fois sur la semaine. Donc, ce serait, je pense, un de ces coups-là sur le 15. Vous l'avez bien détesté, ce bunker. Oui, je n'y retourne plus. Voilà, c'est ça. Je rappelle juste quand même que vous avez battu le parcours. Vous avez joué 4 cartes. Bon, déjà, vous avez passé le cut, évidemment. Oui. Et vous avez battu le parcours, de mémoire, je ne dis pas de bêtises, vendredi 68 ? Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est quand même une certaine fierté de battre. Oui, surtout que j'ai eu un très bon retour pour passer le cut. J'avais joué moins 4 sur le retour pour passer le cut avec Aise. Donc, c'était bien pour la confiance et puis bien pour le tournoi. On va vous lire, j'ai une dernière question. Votre sœur, Kim, était là ? Elle est venue vendredi, peut-être qu'elle aurait dû revenir. Voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait, je l'ai vu avec la famille. Elle était là, mais elle s'est préparée ce week-end pour le tournoi la semaine prochaine, qu'elle joue aussi en Écosse. On a les sœurs Corda, on a les sœurs Joutanougern, mais on a les sœurs Métro aussi, hein, votre petite sœur, votre sœur qui joue. Ma grande sœur. Grande sœur, pardonnez-moi, qui joue sur le LET, le tour européen. Hein. Exactement. Voilà. Et qui performe plutôt bien. Oui, ça se passe plutôt bien, effectivement. Oui. Bravo à vous, bravo pour cette belle semaine. Voilà, je pense que ça va vous donner beaucoup de, peut-être pas de confiance, vous ne manquez pas de confiance en vous, mais ça va donner une certaine assurance quand même.
passer un cut et faire une bonne semaine de majeur, c'est important. Oui, exactement. Surtout que c'était la première fois, enfin c'était que mon troisième majeur et puis la première fois que je passais le cut, donc ça va dans le bon sens. Voilà. Merci. Morgane Métro, merci pour cette belle semaine et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Voilà. Et on va évidemment tout de suite repartir sur nos belles images parce qu'on aime ça. Et on va dans quelques instants vous montrer les images que l'on attend, celle qui va soulever le trophée. Avant de partir, j'ai juste, parce que j'ai peur de l'oublier tout à l'heure, je voulais remercier les équipes techniques qui nous ont aidés à réaliser toute cette semaine, avec notamment Guillaume Olivero et tout le team de Stop & Go, les équipes de Fabien Jacqueline, avec Luca Delosta et Camille Luca, qui est là cette semaine, et puis toutes celles et ceux, les bénévoles aussi, qui ont été adorables avec nous. Voilà, parce que vous l'avez compris, si vous n'êtes jamais venu ici à Evian, c'est vraiment une famille, et même pour nous, voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, et j'espère que voilà, on aura nous aussi l'occasion de redonner cette bienveillance et cette gentillesse. Et nous, ouais, et nous. On regarde les belles images de celle qui nous a fait vibrer aujourd'hui pour ce dernier jour. Voilà, c'est déjà fini. On a été très heureux de passer ces 4 jours avec vous sur les réseaux sociaux. On a été ravis de partager ces moments forts de cette semaine de majeur. Sandrine, c'est passé comme un éclair. Toutes les bonnes choses vont trop trop vite et elles ont une fin malheureusement, mais on se dit qu'on vous verra l'année prochaine. Oui, on va vous retrouver l'année prochaine si vous nous faites l'amitié de nous suivre, évidemment. Nous serons là avec Sandrine et on espère que vous allez d'ici là prendre du plaisir avec le jeu qu'on aime tant. Merci à vous tous et puis santé. On trinque, hein, évidemment. J'ai éteint la lumière, j'ai sorti les poubelles. On va jouer. On va jouer. À bientôt. Salut.